Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie qui vous présente au moins le 1200e GLPP depuis le début de l'histoire de l'humanité tout entière. Bravo public adoré, vous êtes là, fidèles. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça c'est génial. Michael de Rantus, je l'ai bien prononcé. Yes. Donc toi, tu es au Nez Rouge. Au Nez Rouge, 26 octobre. C'est samedi prochain. Exact. Applaudissements donc pour Michael de Rantus. Tu vas danser, ça va être pour toi, Michael, tu vas te mettre en place. Ok. Voilà. Tu sais danser, hein? Pas du tout. C'est la première fois que tu danses. Alors pour moi, première et pour l'inauguration, je souhaiterais, parce que c'est mon rêve, danser avec Jackie. Ah bon, allez, on va y aller. Allez. Bon. Parce que c'est le rêve de ma vie. C'est le rêve de Alors viens là, viens là, viens là, vas-y. Allez, Alors, musique. C'est parti. Ah non, c'est pas un slow. Si, attends. Voilà. Oh là là, je crois pas. Si, c'est pour moi. Moi, je me suis fait piéger, là. Vous habitez chez vos parents? Oui, désolé, ça ne marchera pas. Vous êtes étudiante? Je suis étudiante. Voilà, je ne crois pas. Si. Mais qu'est-ce qu'on va dire de moi, après? Voilà, mais j'ai gagné mon pari. Ah ouais, c'est excellent. Voilà. Une fois que j'en sais un slow, et en plus avec un mec. Bon allez, bravo. Oh, je me suis fait plaisir. Ça va, Michael? Très bien. De Rantus, c'est ça? Exact. Applaudissements pour Michael de Rantus, s'il vous plaît. Merci. Tu es donc également chanteur. J'ai reçu la 4 chanteurs, en fait. Ouais. Hein, c'est sympa, qu'est-ce que t'en penses? Il faut continuer. Voilà. Tu danses? Parce que tu m'as bien piégé, là. Je danse bien le slow avec toi. Oui, mais j'ai remarqué, ouais. On peut s'inscrire à Danse avec les stars, sans problème. Danse avec les stars. Avec les stars, avec moi. Oui, oui. Ensemble, on peut faire un superbe duo. Donc, on va te retrouver au Nez Rouge. Oui. Hein, tu mettras un Nez Rouge sur scène ou... Non, pas forcément. C'est pas sûr. C'est pas mon registre. Non, je suis très mauvais pour les blagues. Alors, on l'a pu le voir. Oui. Bon, alors samedi, c'est samedi prochain, le 26 octobre. Ce n'est pas demain, c'est samedi prochain. Exactement, 8. Voilà, Nez Rouge. C'est sur une péniche. Tu connais, t'es déjà allé? Oui, plusieurs. À maintes reprises, donc c'est mon troisième passage. À maintes reprises, j'aime bien ça. Donc tu es né à Mulhouse. Oui. C'est cela même, tu as 47 ans. Oui. C'est bien. Ça se voit pas. Non, tu fais beaucoup plus vieux. C'est gentil. Musicien professionnel depuis 10 ans. Oui. Avant, c'était amateur. J'étais passionné. Parce que j'ai marqué, j'ai vu ça. Oui, c'est vrai. Ça veut dire quoi, musicien professionnel? Qu'on vit de sa musique, qu'on vit de sa passion. Avant, tu ne vivais pas de ta musique, en fait. Non, tu faisais quoi? J'étais escroc. Puis escroc? Escroc, ouais. Je vendais des choses qui ne m'appartenaient pas. Tomber du camion, quand on dit? Non, t'étais dealer, non? Pas du tout. Je vendais des meubles, j'étais vendeur. Oui, donc escroc. Escroc. C'est un peu ça. Vendeur de meubles, c'est des escrocs. Et là, tu vis ta musique. Exact, ouais. Bah, c'est bien. Alors, ta musique est qualifiée d'orchestre pop. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? Ah, mais non, je pense que c'est une faute de frappe. C'est J'ai dit orchestre pop. C'est orfèvre pop. Ah, orfèvre, ouais. Je te jure, c'était marqué orchestre, pour ça que je ne comprenais pas. Ah, ouais, c'est pas grave. Tu es donc un orfèvre? Oui, je pense. En la matière? Ah, oui. Très bien. Alors, blues et pop rock, c'est ça? C'est quoi tes influences? Qu'est-ce que c'était? Moi, j'adore tout ce qui est. Pour moi, c'est la guitare, c'est d'abord. Oui, alors qu'est-ce que tu as comme guitare? Eric Clapton. Jimi Hendrix, peut-être? Bruce Springsteen, mais oui. Oui. Et puis après, les Français, les compositeurs français, les BCBG, Berger, Cabrel, Balavoine, Goldman. BCBG, oui, d'accord. Et Jean-Pierre Savelli. Tu dis ça parce qu'il est là. Mais parce que non, mais c'est important, les chanteurs qui ont marqué ma jeunesse. Il en fait Captain partie. Flamme, il paraît que tu t'aimais bien. J'adorais, mais j'ai acheté le disque. Et je chantais, il y avait. Chante là. Non, pas en face de lui. Mais si, en face de lui. Vas-y, chante Captain Flamme. Deux, non, trois. Non, mais c'est vrai, ça donne envie de chanter quand on est gamin. La passion du chant. Vas-y. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Bravo. Mais du fond de la nuit. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Pierre? Pas mal. Flamme. Il connaît tout, d'accord. Ok. Oui. Donc à 6 ans, tu as ta première guitare. Oui. C'est donc tes parents qui te l'ont offerte, je suppose, ou quelqu'un de ta famille. Cadeau de Noël. Un cadeau de Noël. Et tout de suite, ça t'a plu? Oui. Qu'est-ce que ça jouait à 6 ans à la guitare? Très mal, n'importe quoi. Non, très mal, mais n'importe quoi. Ouais. Très bien. Et tu joues toujours n'importe quoi et très mal. T'as pas changé. C'est ça l'escroquerie. Oui, voilà. Fin 80, tu formes un groupe. Ouais. Ça s'appelle Trocadéro. Ouais. C'est quoi ce groupe? C'est un jeu de mots avec mon nom. Oui. Figure-toi, ouais. Tu t'appelles Dorotus. Dorotus, Trocadéro. Voilà. Trocadéro. Ah, Trocadéro. C'est très très drôle. Aussi drôle que Nez Rouge. Nez Rouge. Nez Rouge. Voilà. Nez Rouge. Très bien. Alors, pendant 4 ans, hein? Ouais. C'est ça. Ensuite, il y a une BO de film. Quel genre de film? Film porno? Hein? Écoute, il me donne pas mal d'idées, c'est pas mal, c'est pour la suite. Non, mais c'est quel film? Un film social. Tu t'en souviens plus, quoi. C'est très loin, tout ça. Ça dénonçait. Ça dénonçait certains problèmes sociaux. Très bien. Voilà. Tu fais la première partie d'Axel Red. Oui. C'est sympa, Axel Red. Exactement. Ouais. Ouais. C'était où? À Courneuve? À Courneuve, Fête de l'Humanité? C'est pas une fête équivalente. À l'Humanité? À la Fête de l'Humain. Très bien. À Courneuve. Bon, tu sors un CD 5 titres.
Ouais. C'est ça, ouais, hein, ouais. Et tu écris aussi pour des artistes du label BMG. Alors j'ai écrit, j'ai été sollicité parce qu'ils sont tombés sur mes maquettes, ils ont dit toi, t'as un talent fou. Voilà, tu danses bien, ouais, et ouais. On veut des chansons de toi. Voilà. D'accord. Voilà, okay. Ça s'est passé comme ça. Des artistes qui sont assez inconnus, je suppose. Qui sont plus ou moins connus, ouais. D'accord, ok. Alors, t'as plus ou moins composé pour Rock Voisine, mais ouais. Ça n'aboutit pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas aimé ta chanson, quoi. Un problème de timing, de facteur. C'est toujours ce qu'on dit. Ouais. C'est pour ça qu'après, t'as vendu des meubles, quoi. Mais je touche du bois. Et tu t'es retrouvé dans un placard. C'est ça, l'histoire. Exactement, tout à fait. On, ouais. Meuble, alors, on essaie de meubler, là. Hein. Alors, oh là là, l'humour. Alors, tu quittes ta région, ouais. C'est-à-dire l'Alsace, ouais. Pour les Midi-Pyrénées. Pourquoi? Pour, ouais. Pour la chaleur, pour un copain m'a invité. C'est martiniquais, quand même, d'ailleurs. Ouais. Non, ça se voit. Okay. Très peu. Non, ouais. Mais en fait, ouais. Un copain m'a invité à la région de Toulouse pour faire jouer la musique, découvrir mon métier. Et là-bas, tu rencontres René Cole, ouais. Immense chef d'orchestre, super. Talentueux. Ouais. Et grâce à lui, tu fais la première partie de Patrick Sébastien. Ouais, c'est vrai. Ouais, sympa, ouais. Superbe école ouais. À l'époque, quand il animait, c'est un émission de télé. Ouais. C'était génial. Ouais. Tu reviens en Alsace, je ne sais pas pourquoi. Les raisons familiales, la choucroute, tout ça, les saucisses. C'est vrai, mais d'accord. Oui, ça a son charme. Tu sors deux albums, il y en a qui s'appelle Poussière d'or, ouais. Et l'autre Le bal de Cendrillon, oui, tout magnifique. À fait. Ouais. Et en 2015, un troisième album qui s'appelle Millénaire. Oui, pourquoi? C'est le temps que je pense qu'on doit passer, subir pour que le monde aille mieux, parce que ça demande du temps. Ouais, le monde va mal. Tu vas se prendre sérieux quand même. Ouais, ouais, mais ouais. C'est une chanson assez. Il y a un quatrième album qui s'appelle Le monde d'aujourd'hui, qu'on a là, c'est celui-là, voilà. Hein, exactement. C'est ça. Le monde qui te fait voilà. Toujours, le monde qui te fait aujourd'hui. Voilà. Alors, il est sorti il y a combien de temps? Il y a à peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, donc il est extrêmement récent. Très récent. Vrai, quand tout à fait. Exactement. Tout à fait. Mais tu es très prolixe, dis-moi. Hein ben, merci. Alors, tu fais des reprises sur scène aussi, sur la route de Palmas. Ouais, ça m'arrive. Ouais, et Stand By Me de B.B. King. Ouais, c'est standard. De Benaloa. Hein, c'est ça se passe sympa. Bien. Ça se passe très bien. Ouais. Alors là, tu vas faire deux titres live, parce que ouais. Je suis vachement sympa comme mec. Oui. Extrait de cet album. Millénaire, exactement. Oui, millénaire, hein. Ici tu pars. Bon, alors je vais t'accompagner. Voilà. Tu vas prendre ta guitare quand même. Oui. Voilà. Tu fais pas Capitaine Flamme à la guitare, non? Ça prend vachement plaisir à Jean-Pierre Savelli. Alors, quels sont les deux titres? Alors, millénaire. Ouais. Et donc voilà, millénaire. Ouais, et l'autre et si tu pars. Oui, bah, je vais me casser, ça tombe bien, je vais te laisser tout seul. Là, ouais, si tu pars, est-ce que tu m'emmènes avec toi? Si tu pars. Ouais, d'accord. Ok, très bien. Je suis pas sûr. Hein. Ah, peut-être, remarque. Ouais. T'es prêt? Je suis prêt. Alors, c'est parti. Hein, c'est parti. Je veux vivre encore 10 000 ans sur Terre pour voir vivre tous les enfants de la Terre heureux et libres de s'aimer comme des frères. Plus de sang de cri qu'on entend de ma prière. Je veux vivre encore 10 000 ans sur terre, qu'on me donne vie, juste le temps d'être fier. Des hommes qui d'un amour sans frontières, comme un phare dans la nuit que s'étend leur lumière. Je veux vivre encore quelques millénaires, voir grandir la paix, c'est que l'on espère, idéal utile au monde qui fait guerre à la guerre, au monde qui fait et entend la ma prière. Heureux et libre comme mes frères, qu'on entende ma prière. Yeah.
Bravo. Michael Rotus. Deuxième titre. Si tu pars, est-ce que tu m'emmènes avec toi? Très bien. Si tu pars, est-ce que tu m'emmènes avec toi? Oh, dis-moi. Si tu pars, est-ce que tu m'emmènes avec toi? Oh, dis-moi. Si tu me quittes, emmène-moi vite où tu habites. Oh, si tu pars, n'oublie pas de me prendre avec toi. Avec toi, avec toi. N'oublie pas de me prendre avec toi. Avec toi. Mon cœur que tu dévalises, range-le bien dans tes valises. Oh mon cœur, oui, en cas de crise, plie-le entre tes chemises. Oh, si tu pars, ne m'égare pas. Voyage avec toi, avec toi, avec toi. Je serai du voyage avec toi, avec toi. Si tu mets les voiles, pense à voguer avec moi. Si tu prends la mer, partageons la même galère. Oh, et si tu prends les airs, retiens de place sur le charter. Si tu vas, je me cacherai dans tes bras, dans tes bras. Je me cacherai dans tes bras, dans tes bras. Si tu pars. Bravo, Michael Loratus pour le JLPP. Donc Michael Loratus, on se retrouve au Nez Rouge le samedi 26 octobre. À 19h. À 19h précise. Précise. D'accord, applaudissements pour Michael Loratus. Merci de passer par le JLPP. Merci, on a...